Salut, salut, salut les parents, je suis de retour, c'est encore moi aussi des jours. Je suis très heureux de voir un travail colossal qui se passe vraiment à la Mecque, que Papa Alassane est en train de faire. Vous voyez, je vais vous présenter une vidéo des résidences qu'il est en train de faire là-bas. Est-ce que vous voyez même ceux qui vont à la Mecque, quand ils arrivent, actuellement, quand ils arrivent pour aller dormir dans les hôtels, ça devient compliqué. D'autres me font les vidéos. Mais aujourd'hui, c'est parce que dans la vidéo, ils ont parlé ça en doula. Il y a d'autres qui ne comprennent pas doula. Mais je vais vous expliquer un peu, bien avant que on va rentrer dans le but du sujet. Mais je vais vous montrer la vidéo d'abord. Vous comprenez? Voilà. Et on va avancer. Président, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Côte d'Ivoire, je suis un peu plus de temps. Allez, je suis un peu plus de temps. Agnemala, président Mandi, Alassane Ouattara, avec un canon de l'or à blé, dit donc à la massa d'un affolo. Mouroua tant et bédigacono. Mouroua tant, Ivoirien ou la ole bédigacono. Quand il y a aussi une tournée, il y a aussi une tournée. Jamana Tay. Jamana Tay, ben le lac a dit, c'est la moma. Anbi, Alaka a mis encore. Alaka d'offre à Daoulaka. Alaka en a demain. Vraiment, président. Il faut d'attendre au il faut initier à la Kisra. À la Kassanche, bon pas. Merci beaucoup, Président Ado. Nabidou Dindje. Merci beaucoup. C'était pour vous montrer le sentier. Hôtel de hôtel ivoirien. Dieu merci. Ça, ce sera pour nous en Arabie Saoudite ici, Makkah. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Bon, bref, les parents, vous, mais vous avez vu, vous avez écouté, ceux qui comprennent bien le doula, vous avez écouté ce qui nos frères a parlé. Il dit, si ce n'était pas Corona, histoire de Corona, là, ils avaient déjà fini. Ils avaient déjà fini le logement pour des Ivoiriens qui viennent passer un pèlerinage juste à la Mecque. Mais hélas, on dit ce que Dieu fait bon. Corona a retardé. Dieu merci que Papa Alassane est toujours là au pouvoir. Et il est toujours là. Et il est toujours en vie. Et il va terminer vraiment ce chantier. Les présidents, surtout les présidents africains, même les présidents du monde, ceux qui croient en l'islam, ceux qui ont ce projet de construction pour aider sa population là, ils sont rares, on peut les compter à la Mecque. On peut les compter parce que souvent des gens font des vidéos pour dire oui, on nous loge mal, oui, les hôtels où on est là, on n'est pas bien logé, on est comme ça, ceci, cela. Mais Alassane est en train de faire tout ça là, pour épargner les Ivoiriens à faire ouah 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 oui yé 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 yé. Comme à l'homme comme cela, on ne peut pas vraiment le féliciter, vraiment l'encourager de ce qu'il fait. L'homme comme cela, pourquoi les gens le sous-estiment? Pourquoi les gars le détestent? Mais si tu n'es pas musulman et qu'il fait ces réalisations-là pour tes frères, mon frère, il faut le respecter. Ou vous avez vu quelqu'un à la salle, on l'insulte. Jusqu'à on l'insulte sa mère. Et c'est lui-même. Mais il n'a jamais dit un mot. Il n'a jamais dit aux gens que oui, pourquoi les gens m'insultent? Ou envoyer des gens attraper telle personne. L'injure, qui a déjà insulté Alassane directement? Et il a attrapé la personne pour le mettre en prison. Personne. Moi, je n'ai jamais vu. Ceux qui ont déjà vu des gens qui Alassane a arrêté, les gars peuvent faire les commentaires. Mais moi, je n'ai jamais vu ça parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est en train de parler de ça. Non. Ceux qui disent non, qu'il va te faire asseoir et je vais te donner un conseil. Toi, tu peux faire asseoir ton grand-père ou ton papa et puis tu vas lui parler. Ou toi, tu as déjà vu. Ça, c'est entre eux. Moi, je ne connais pas cette situation-là. Mais le problème, pourquoi aujourd'hui je sors pour venir parler de cette vidéo? Je suis très heureux. Parce qu'à la Mecque, ce n'est pas facile de trouver des hôtels. Des chambres d'hôtels, là, c'est rare.
Parce que quoi? Pourquoi je dis c'est rare? Ce n'est pas uniquement les Ivoiriens qui parlent là-bas. Tout le monde entier se retrouve là-bas. Mais la construction qu'il est en train de montrer, ou le jeune frère ou le tonton en train de montrer, c'est pour la Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est réalisation de nos gouvernements qui sont là fait. Ce chantier-là, quand ils vont finir là, quand les Ivoiriens vont aller faire leur pèlerinage là-bas, là, ils vont être tranquilles. Directement, on sait déjà. C'est où ils vont les loger. C'est ça, on dit oui. Quelqu'un qui a un grand cœur. Quelqu'un qui a un grand cœur. Quelqu'un qui a un grand cœur de partager son amour aux gens qui le détestent. Mais lui, il est là, lui. Quand je vois la manière comment le Prado travaille, je suis condamné. Il a l'esprit des Blancs. Il a l'esprit des Blancs. J'adore ça. Il a l'esprit des Blancs. Tu parles, faut le critiquer, faut l'insulter. Lui, il te laisse et il avance. Et il travaille. Et il travaille pour ton pays. Toi, un jour, toi, tu as dit, vu que j'ai insulté là, vraiment, non, le diable même a pris. Hein. Mais regarde ce qu'il a fait. Regarde les réalisations qu'il est en train de faire dans mon pays. C'est ça, on veut. Regarde l'exemple, mec, à la Mecque. À la Mecque, là, c'est. On peut compter les présidents qui font ça là. On peut le compter. C'est grâce à lui. C'est celui on prend exemple. Il a commencé, donc quand il a terminé, il y a d'autres pays africains qui vont aller faire pour eux là-bas aussi. Il y a d'autres pays africains qui vont aller faire pour eux là-bas aussi. Et puis je vous dis, hein, vous allez un jour, vous allez me donner raison. J'ai apporté beaucoup aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est beaucoup. Donc c'est pour vous parler. Mais quand il va finir. L'immeuble là, les immeubles là, quand il va finir, parce que ça, il pense que c'est deux ou trois comme ça. Quand il va finir, d'autres voisins, les pays africains, d'autres même vont aller louer les chambres là-bas. C'est moi qui vous parle. Mais eux, pour dire, ils vont aller faire une stratégie, l'idée que nos présidents ont eue pour aller construire là-bas, là. Eux ne peuvent pas faire ça. Eux préfèrent louer. Or, une fois que, quand ça va finir là, ils vont diminuer un peu le prix des chambres. C'est comme ça. Parce que tout ça là, c'est pour l'Ivoirien. L'argent là, ça vient encore pour nous. C'est ça qu'on veut. On peut développer encore là-bas. Ce sont, on dit, un président qui travaille. Un président qui laisse ses traces. Un président à qui on peut faire l'exemple. C'est ça qu'on dit, ado. Je ne suis pas RHDP, mais je suis heureux de ce qu'il réalise pour mon pays. Et je suis heureux de faire ce au moins il réalise dans le pays des gens. Et puis on dit ça, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis content. Et on pas dit ça là, c'est pour ça, c'est Alassane. Ça, c'est Ado. On dit ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Tu es Ivoirien, tu es fier. De Dieu, on dit ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Papa, merci beaucoup. Merci beaucoup tout ce que tu es en train de faire. Dieu va te bénir. Et Dieu te bénira toujours. Et continue toujours de te bénir. Laisse les gens parler. Ceux mecs qui parlent n'importe comment là, un jour vont venir te donner raison. Mais je prie Dieu que 2025, si tu n'es plus là, lui qui va venir au pouvoir, quel que soit X ou Z, franchement, il n'a qu'à prendre son travail au sérieux. Parce que les Ivoiriens maintenant, nous tous on connaît. On a dit, Alassane nous a dit, on voit clair. On voit clair. Si tu ne travailles pas là, on va toujours parler. Et si tu ne fais pas attention aussi, on va t'enlever. Là, là. Parce qu'on ne veut plus. On veut des gens qui travaillent. On ne veut plus des fainéants. Oh, voilà. C'est ça qu'on veut. Le développement. Si ça attire encore les gens qui veulent investir dans ton pays. Et d'être jeunes aussi tout le boulot. C'est ça qu'on veut. Donc, les frères et sœurs, je ne peux pas trop durer dans cette vidéo-là, mais je suis très heureux de vous présenter cette vidéo que je vois. Ce beau bâtiment que le président est en train de faire. C'est un chantier qui va finir bientôt. Les gens qui vont aller à la Mecque vont être bien accueillis, bien logés, tranquillement, tranquilles. C'est comme ça qu'on veut. Ce sont des révolutions. L'évolution,
l'évolution des Ivoiriens. C'est comme ça. C'est si Alassane, on prend l'exemple. Tel président africain veut travailler ailleurs, par exemple, ailleurs. Il dit, moi, je vous parle. En Guinée, il n'y a pas de péage. Bon péage que les gars parlent, ouais, ouais, c'est cher. En Guinée, il n'y en a pas. Excusez-moi, les Guinéens, mais il dit, oh, c'est comme ça. Il y a d'autres mecs qui veulent prendre Alassane pour que Alassane devienne le président. On voit, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Comment ça? C'est qui ça? C'est pas qui ça? C'est comme ça. Je ne suis pas RDP, vous dites toujours. Mais je suis d'accord. Je ne le suis pas, mais je suis d'accord avec celui qui s'occupe de ma mère, qui est la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. S'il n'est plus au pouvoir, je suis là, je regarde. Si le nouveau président travaille comme lui, qui le dépasse dans les travaux, lui aussi, je suis avec lui. Mais lui aussi, s'il ne travaille pas, je suis là. Et puis il dit, non, c'est qui l'autre n'a pas fait ça. Hein, mais toi aussi, vraiment, il faut travailler. Sinon, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bon. Oui, prends-toi aussi lui. C'est comme ça on veut. Ouais. La vie, encouragez vraiment vos présidents quand ils travaillent. Encourager cela. Quand un président ne travaille pas, on peut le critiquer jusqu'à pas un jus. Un jus n'est pas critique. Injurer quelqu'un à ça, c'est pas critique. Dire les gros mots, c'est pas critique. Donc, arrêtez vraiment de croyez vraiment au président Alassane. Tout ce qu'il fait, il ne va pas partir ça. S'il quitte le pouvoir, il ne va pas partir ça. Ça reste pour tout, ça reste pour la Côte d'Ivoire. Le nouveau président ou l'ancien président qui va venir là, lui, celui qui va venir là, lui, il va voir aussi et il va vraiment continuer. C'est comme ça en fait. Ils ne sont pas là pour dire oui, si lui là n'est pas au pouvoir, le pays là va brûler. Laissons en fait le pays là. Voilà, le pays là est tranquille. Laissez les Ivoiriens respirer. Parce que les Ivoiriens, actuellement, leur tête chauffe. Merci beaucoup, je m'arrête là. Si tu as aimé la vidéo, tu peux t'abonner sur ma page Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, je suis partout. Merci. Ciao, ciao. Laissez les commentaires, partagez la vidéo et likez pour juste le soutien. Ce soutien-là, je veux. Merci. Bisous.